Visite d'inspection et des commandements du général-major Pete Thierry Mwami, commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, ce dimanche 1er mai à Busanga, dans le groupement Jomba, territoire de Rutshuru. Une visite, bien sûr, qui s'inscrit dans les cadres d'inspecter les collines conquises par les FARDC lors de la tentative de filtration par les M23 le mercredi dernier dans ces lignes. Il s'agit d'une mission d'inspection et de commandement du commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2. Parce que, comme vous le savez, il y a de cela une semaine, les M23 et leurs alliés ont tenté, n'est-ce pas, d'infiltrer nos lignes au niveau de nos positions. Et lors de la riposte, les forces armées de la République démocratique du Congo ont gagné, n'est-ce pas, du terrain. Et il était très important que le commandant secteur descende encore sur terrain pour, n'est-ce pas, inspecter les zones conquises. Mais aussi, il est venu se rendre compte de l'effectivité de la reprise, n'est-ce pas, de la vie par la population qui avait fui, bien évidemment, ces désordres créés par les M23 et leurs alliés. À cette occasion, le général-major Thierry Mwami a constaté la reprise de la vie de la population dans cette zone qui est bien sûr rentrée dans son milieu naturel grâce à la présence des éléments de FARDC. Kwa saa hizi, tunaona ginsi armée ya Congo inajikaza. Ju, saa zingine walikuwa wanarudisha nyuma, siye population tunahuzunika. Mesa kwa hii operasyon nye, armée ya Congo inafanya, vraiment ishatupatia matumaini ya sana. Bo, sisi kwa kuwa jeshi limetusogelea tunaoga hapa mweneo chukwani adui hafikiage mweneo hii. Anabakilia mumilima ya huko mumeneo za kwao. Wakati wa M23 wanakuwa wanabiko wanatutesa, wanatusumbua sana. Lakini serikali ya Kongo kama inakuwa tunakuwa mzuri. Signalons que partout où il est passé, les commandants des opérations Sokola 2 a insisté sur la vigilance et le respect strict des droits internationaux humanitaires et les règles d'engagement.